En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 27 février 2019. Depuis le 20 décembre dernier, les préalables aux élections n'ont plus vraiment la cote. La peur de voir le parti au pouvoir organiser seul les élections et occuper tous les postes de décision pousse certains à demander aux opposants de participer aux prochaines élections, et ce, quelles que soient les conditions d'organisation. Et quand le CAR demande au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales de veiller à ce que les réformes soient faites avant les prochains scrutins, l'interrogation qui est la nôtre est la suivante. Après l'épisode du 20 décembre 2018, faut-il faire des réformes politiques un préalable aux élections locales? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Jean Kissi, il est le secrétaire général du comité d'action pour le renouveau, CAR. Bonjour Monsieur Kissi. Bonjour Monsieur Afanou et bonjour aux chères auditrices et auditeurs de la plus belle dame de Lomé, n'est-ce pas? Justement, ce débat se fera avec vous, auditeurs de la plus belle des radios, qui avez la possibilité de participer à cette émission en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Après l'épisode du 20 décembre 2018, faut-il faire des réformes politiques un préalable aux élections locales? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Mais avant d'y aller, Jean Kissi, une autre question non moins importante est sur le tapis depuis quelques semaines, depuis ce courrier du comité d'action pour le renouveau adressé à la coordonnatrice de la coalition, depuis que ce courrier circule sur les réseaux sociaux. Il y a eu cette séance de travail à laquelle votre parti n'a pas participé, cette rencontre communément appelée conclave. Alors j'ai envie de vous demander, que se passe-t-il réellement à la coalition des 14? Donc vous savez qu'il y a un courrier. Comment le savez-vous? Je l'ai dit, il circule sur les réseaux sociaux. Et comment est-ce parvenu sur les réseaux sociaux? Il y a eu des éléments qui ont été donnés notamment par d'autres membres du parti de la coalition. Alors dites-nous vous, comment est-ce que ce courrier s'est retrouvé sur la place publique? Mais est-ce que moi je peux le dire? Voilà peut-être l'une des leçons déjà à commencer par tirer, hein, à savoir que ce que le CAR a dit était juste. Nous avons adressé un courrier à la coalition pour poser un problème interne au sein de la coalition, pour le régler. Un problème d'envergure majeure, d'envergure principale, primordiale. Alors, nous le faisons souvent au sein de notre parti. Quand nous discutons des problèmes profonds concernant la nation au sein de notre parti, il arrive des moments où moi-même, ou d'autres personnes, ou même le président du parti, hein, Maître Agbouibo, les idées que lui a, c'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à faire et il le trouve, pour le faire vivant, pour secouer les gens avec, il met les idées sur papier, il le dépose sur la table. Et on le traite au sein du parti. La même chose a été faite au sein de la coalition. Mais pourquoi et comment ce courrier s'est retrouvé à l'extérieur? Ça, c'est la première question. Mais ce n'est pas le principal. Vous avez dit, d'autres l'ont dit, je suis d'accord. Mais j'aurais voulu que les gens disent la vérité. Nous avons dit qu'il faut placer la vérité au cœur de la politique au sein de l'opposition. En tout cas, toute chose à laquelle le CAR va participer, il faut placer la vérité en son sein. J'ai écouté certains sur votre média ici. Ils auraient eu le courage de dire que c'est de la coalition que le courrier est sorti et que c'est regrettable. Mais ils ne l'ont pas dit. Ils ont laissé le flou comme si, et pendant au moins 3 jours, j'étais là lorsque sur certaines radios, on a donné l'impression comme si c'est le CAR même qui avait balancé le courrier. Dieu faisant bien les choses, quand on délivre un courrier, il y a un courrier expéditeur et il y a un courrier destinataire. Le courrier destinataire prend la mention arrivée et qu'en réalité, c'est le courrier destinataire, donc celui qui est resté et qui n'est pas revenu à l'expéditeur, qui finalement a été publié avec un cachet carré. Je n'en dirai pas plus. Vous maintenez un flou aussi, il faudrait être clair. Est-ce que vous avez le sentiment au CAR d'avoir été exposé? Le problème, c'est que il faut mettre la vérité au cœur de ce que nous faisons. Sinon, nous n'allons pas pouvoir gagner. Nous sommes des forces opprimées.
Du coup, il faut mettre la vérité au cœur de ce que nous faisons. La même chose avait été faite lorsque le 21 mai, le CARA a vu le danger. Maître Agbeboa parlait en ce moment de jeu de dupes à propos du dialogue, comment vous l'appelez, triangulaire. Ce n'est même pas un dialogue. À propos du triangulaire, Maître Agbeboa a envoyé un courrier au sein de la coalition pour dire « Nous devons changer le format ». Ce courrier est sorti de la coalition, est tombé à l'extérieur. Et des journalistes l'ont pris. Et ils ont commencé par insulter. On est allé sur les médias et dire « Maître Agbeboa, Amegaho flie », etc. Mais des choses assez graves. Et finalement, il n'a même pas failli un mois que tout le monde se pose la question « Mais est-ce que le CAR n'avait pas raison ? Est-ce qu'il ne fallait pas faire un dialogue à l'interne ? Est-ce que ce qu'on fait là avec les facilitateurs, est-ce que ça peut donner un résultat ?» Et ça, c'est le PNP qui a eu le courage d'arrêter l'hémorragie. Lors d'une conférence de presse de la coalition, moi j'étais là. La question a été soulevée, des invectives ont été faites par un certain nombre de journalistes. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas voulu répondre. J'étais resté zen, j'étais resté serein. Et c'est Dr Sama du PNP qui a dit, « Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans le courrier. Pourquoi vous vous attaquez à la personne ? Qui vous a dit que ce qui est dans le courrier est mauvais ?» Alors, ce courrier-ci... Et c'est lui qui a arrêté l'hémorragie. Donc, il y a un comportement au sein d'un groupe. Moi, en ce moment, j'étais resté zen. Vous savez, je vais essayer de paraphraser, mais en le déjouant quelqu'un, en disant qu'il n'y a rien de réel ou de palpable qui ne change de forme en changeant de climat. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Alors... Voilà, je suis resté zen parce que serein, parce que le CAR avait raison. Le tort que nous avions eu, c'était d'avoir raison trop tôt. C'est-à-dire au moment où nous voyons le danger, nous voyons les choses venir, certains ne l'ont pas vu. Le minimum aurait voulu que, lorsque quelqu'un pose la question, que vous preniez le temps de voir pour voir, mais est-ce que, même si c'est une intuition, même si c'est une révélation, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce que la personne dit qui pourrait nous aider ? Mais voilà. Sur le fond... ce courrier, le dernier, il n'y avait pas réellement de motif. Vous aviez juste écrit que vous ne participeriez pas à cette réunion sans avancer la raison pourquoi. Tout à fait. Non, c'est-à-dire que nous, il y a un certain nombre d'éléments que nous devons régler. D'abord, moi-même personnellement, je crains le terme conclave politique. Parce que le conclave, là, c'est pour choisir le pape. Je crains le terme conclave politique parce que c'est le CAR. Et moi-même, personnellement, qui ai été victime pour la première fois dans un conclave de 2015. Vous vous souvenez, conclave Novella Star. Vous aviez peur que si cette rencontre a été dénommée conclave, c'était pour choisir un pape ou un candidat unique pour une élection ? Non, le problème est plus profond que ça. Le conclave Novella Star, finalement, a donné 4 candidats de l'opposition au moment où l'engagement pris devant le peuple était pas de réforme, pas d'élection. Vous comprenez que si en sortant d'une situation comme celui du 20 décembre, où les gens se posent des questions, les gens sont anxieux, les gens ont l'impression d'être gagnés par le découragement, on ne fait pas un bilan, on ne tire pas les conséquences, on ne change pas d'orientation politique. N'était-ce pas là l'objectif du... Aller à un conclave où on choisit le pape. Mais c'est-à-dire que vous ne voyez pas la profondeur des choses. Vous prenez les mots. Et la réflexion, n'était-ce pas là l'objectif de ce conclave ? Puisque c'est ce qui a été expliqué notamment par Antoine Folly, qui disait que cette réunion était destinée à faire le point de ce qui a été fait jusqu'au 20 décembre et d'envisager l'avenir autrement. Je vous ai dit, le conclave, c'est pour choisir le pape. Vous n'arrivez toujours pas à peser les mots. La définition du dictionnaire. Le conclave, c'est pour choisir le pape. Absolument, c'est l'une des premières. C'est l'une des premières définitions du mot, mais dans le dictionnaire, toute assemblée délibérative peut être aussi appelée conclave, selon le dictionnaire. Par extension. Par extension. Mais comprenez qu'un conclave, c'est dans l'Antiquité, jusque dans notre histoire, ce qu'on appelle un pame. Donc c'est la dénomination. Vous voulez choisir un chef. Il y a un grand problème sur un pays, un problème spirituel profond. Vous voulez le dénouer. Vous rentrez en conclave, vous faites. Lorsque vous trouvez la solution, vous trouvez le chef, vous trouvez le bois, les gens mettent la fumée à 6 ans et on dit, voilà, le problème est résolu. Donc c'est la dénomination qui vous a posé même problème pas une... Oui, la dénomination traduit une fuite en avant, une façon de ne pas vouloir régler les problèmes qui se posent à nous. Vous savez, des gens ont parlé. Le professeur a pris main, celui qui a été plus loin, en disant, mais... Vous ne pouvez pas avoir fait ces 17 mois-là.
et aboutir à ce résultat le 20, et puis continuer de la même façon. Mais vous voyez les Togolais nous laisser continuer de la même façon. Donc, il y a une nécessité de rentrer en nous profondément, de faire un bilan et de changer d'orientation. Et c'est ça qui était la question principale. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons vu que ce qu'on appelle conclave-là nous amenait encore dans un certain nombre de délires. Donc, nous avons pour le moment nous dit que nous n'allons pas au conclave. Nous n'avons pas empêché les autres d'aller au conclave. Et si, vous n'avez pas été les seuls. Voilà, si des gens y vont et les gens changent d'orientation, ils nous expliqueront. Mais de toutes les façons, nous avons été appelés au sein de la coalition. Et au sein de la coalition, il y a une discussion avec la coordonnatrice. Et nous avons, avec toute la coalition. Est-ce que vous avez pu trouver un terrain d'entente? Nous avons expliqué les raisons et tous les motifs. Nous l'avons expliqué à l'intérieur. Et nous restons là-dessus. C'est pour ça que je ne veux même pas sortir, je ne veux même pas m'étendre là-dessus. Avez-vous déjà eu écho des conclusions de ce conclave? Non, parce que lorsque nous avions été, eux, ils ont décidé d'aller à leur réunion et en fait nous rendre compte ou bien nous en informer. Comme nous avons dit que nous plaçons la politique sur le champ de la vérité, qui est un point cardinal dans notre politique, je peux vous dire qu'ils nous ont invités, on va se rencontrer. Et dès qu'on se rencontre, ce que nous allons dire, nous allons le dire au public. Voilà un peu. Donc, nous considérons que ce qui a été dit, nous avons donné toutes les raisons, toutes les motivations à l'intérieur. Si ça peut permettre de se réveiller, de changer les choses, vraiment, ça va être une bonne chose. Parmi lesquelles la nécessité de faire un bilan et d'envisager autrement la lutte. Tout à fait. Alors, avant d'aller au sujet principal, quelle est concrètement aujourd'hui votre position par rapport à la coalition des 14? Si demain, une autre réunion était convoquée pour parler justement de l'avenir, pour faire le bilan, même s'il est dit que c'est ce qui a été fait les deux derniers jours, c'est-à-dire mercredi et jeudi de la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, est-ce que le CAR y participerait? Êtes-vous toujours intégralement dans la coalition ou êtes-vous au pas de la porte? Merci. Pour le moment, si vous-même vous savez analyser, ce qui se passe ressemble, et je crois que c'est le bon mot, à une suspension de notre participation aux activités. Donc voilà pour le moment. Alors, compte tenu des résultats qui sont sortis, s'il y a un changement d'orientation, des modalités de mise en œuvre de ces changements qui sont convaincants, etc., c'est ça qui va déterminer notre appréciation à faire dans le futur. Si ça va nous amener à poursuivre notre suspension ou si ça va nous amener à arrêter notre suspension, en tout cas, c'est ce qui sera fait finalement qui va nous déterminer. Il faut comprendre, quand vous voulez lire les événements, que lorsqu'il y a des orientations divergentes et il y en a certaines qui vont à l'échec, il doit y avoir un changement. Vous savez, au 19e siècle, lorsque les marxistes se sont rendus compte que le marxisme n'est pas une politique de gouvernement, n'est pas une politique applicable, et qu'ils voulaient changer de méthode, les marxistes n'ont pas dit aux libéraux, retrouvons-nous ensemble pour voir si notre orientation peut changer. Non, c'est les marxistes qui se sont retrouvés. Et ils ont décidé, le marxisme n'est pas une politique de gouvernement applicable. C'est une idéologie, c'est une philosophie qui reste philosophie. Et ils ont décidé d'évoluer du marxisme vers le socialisme et le socialisme démocratique. À partir de ce moment, les libéraux ont dit, ok, il y a une option avec laquelle nous pouvons discuter, nous pouvons être au pouvoir, ils vont être opposition. Et il y a eu même des pays où des socialistes et des libéraux se sont mis ensemble pour avoir des gouvernements d'union nationale, pour avoir, etc. Donc, le peuple a la nécessité de voir un changement d'orientation. Et c'est ce que le peuple attend, que nous aussi nous attendons. Donc, en résumé, le CAR suspend sa participation à la coalition en attendant d'apprécier les conclusions du dernier conclave, oui, ou de la dernière réunion. C'est une question de terminologie. Exactement, pour une question d'orientation politique et d'efficacité des actions. Ce point-là est important. D'efficacité des actions.
À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Jean Kissi, secrétaire général du CAR, le comité d'action pour le renouveau. Et nous allons à la question essentielle. Après l'épisode du 20 décembre 2018, faut-il faire des réformes politiques préalables aux élections locales? Quelle est la position de votre parti par rapport aux élections locales annoncées par les gouvernants? Et visiblement, les préparatifs sont déjà enclenchés. Oui, nous considérons que le gouvernement est encore dans des manœuvres qui ne vont pas résoudre le problème togolais. Parce que vous savez, les problèmes sociaux, économiques sont majeurs dans ce pays. Ils sont maos. Le pays est dans la misère. Les populations déstabilisées. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez les nouveaux... je ne dirais même pas riches. Les nouvelles personnes qui y font les marchés qu'on appelle Dubaï et Chine, là. C'est-à-dire, Asiito, voilà. Des jeunes qui s'enrichissent maintenant dans ce niveau-là. J'en connais au moins, dans mon entourage, hommes et femmes réunis, 9. Parmi les 9 qui sont aujourd'hui très bien. En cas où ils sont à Dubaï, parce qu'ils sont très bien. Voilà. Parmi les 9, 7 n'ont pas fait de commandes de Noël qu'ils ont l'habitude de faire. Il n'y a que 2. Qui ont fait des commandes, comme on dit chez nous, au Douagban. Mais c'est... Et quand je leur ai demandé, la réponse était, la situation est tellement grave qu'il y a de l'incertitude, ils ne savent même pas qu'ils vont vendre. Donc imaginez le niveau auquel l'économie du pays est descendue pour que des commerçants qui ont l'habitude chaque année à Noël de faire des grandes commandes n'aient pas fait. Ça veut dire qu'il faut résoudre de manière définitive le problème togolais. Quand on le dit, ce n'est pas une question juste politique. Et moi, le terme politique même ne me plaît plus tellement. Ce n'est pas une question politique, c'est une question hautement d'affaires sociales et économiques, c'est une question de gouvernance. Donc, quand nous sommes restés dans la situation où il y a eu l'APG, après l'APG, il y a eu le rebondissement du 19 août, et puis on est rentré dans le dialogue, que les gens ont appelé dialogue CDAO, ce que moi j'ai appelé la triangulaire CDAO. Tout le monde était d'accord qu'il fallait trouver un consensus national. Tout le monde était préoccupé, même le parti au pouvoir. Et tout le monde l'a dit dans son discours, qu'il fallait un consensus national pour réaliser les réformes, pour assainir la situation togolaise, pour toujours, en tout cas pour toujours. Mais ça n'a jamais été fait. Parce que cet assainissement de la situation devait rassurer tout le monde, même le parti au pouvoir. Pour que le parti au pouvoir puisse laisser librement le pouvoir demain, il faut qu'il sache que si je laisse le pouvoir un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, démocratiquement, moi aussi je peux revenir. Mais s'il laisse les conditions des institutions actuelles et que demain quelque chose arrive, comme l'événement du 19 août était arrivé, et il perdait le pouvoir, et d'autres venaient, vous êtes sûr que les autres, eux, vont rendre les institutions aussi indépendantes que eux, ils vont revenir demain. Donc, les réformes que nous voulons, c'est des réformes qui rassurent le pouvoir en place aussi. Mais le pouvoir en place aujourd'hui, visiblement, est rassuré, puisque après le 20 décembre, ils mettent le cap sur les locales et parlent déjà d'une nouvelle victoire en 2020. Visiblement, ils n'ont pas ce même sentiment. Mais vous êtes sûr qu'ils sont rassurés? C'est ce qu'ils disent, vous les écoutez. Vaincre sans gloire, c'est ça, être rassuré? Mais est-ce que vous êtes sûr vraiment qu'ils sont rassurés? Vous écoutez les propos comme moi, ils parlent de faire gagner leur champion et autres. Oui, mais moi je n'en suis pas certain. Le fait de dire de faire gagner un champion, c'est une question de conservation de pouvoir. Le problème togolais n'est pas un problème d'élection et ne se résume pas à un problème de conservation du pouvoir, puisqu'ils sont là depuis 51 ans. Mais si le fait de faire gagner leur champion, je ne sais pas si c'est au javelot ou si c'est au poids, peut régler les problèmes des Togolais, mais on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Donc une situation pas assainie, à votre avis. Est-ce que cela veut dire que pour vous, cet assainissement doit être fait avant l'organisation des élections locales? Naturellement, puisque le consensus, tout le monde est d'accord qu'en réalité, il faut arriver à un consensus national pour réaliser les réformes avant d'aborder ces échéances-là. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, les locales vont être faites sous forme de crise. Et les locales vont venir 6 mois avant la présidentielle qui doit avoir lieu en février 2020. Et ça va aussi être fait sur fond de crise. Pourquoi ne pas régler les problèmes définitivement? Et c'est pour ça que dans notre communiqué, nous avons dit, après la présupposée élection controversée du 20 décembre, le gouvernement, le Premier ministre, en faisant son programme de gouvernement, s'est engagé
à réaliser les réformes. À travers le PND. Et dans notre communiqué, nous l'avons mis en gras pour une adoption rapide des réformes politiques. Nous avons considéré que le fait que le gouvernement ait dit ça, parce qu'à travers le Premier ministre, c'est la politique du gouvernement qui est en jeu. Hein. Mm-hmm. Le Premier ministre, le 25 janvier, a annoncé la politique du gouvernement, qui est donc définie par le chef de l'État. Donc, la liaison intellectuelle voudrait qu'en réalité, c'est du chef de l'État qu'il est question. Alors, je crois que c'est pour mettre les populations, et nous-mêmes, et unir, et tout le monde, à l'abri des phénomènes comme ce qui est engagé au ministère de l'administration territoriale aujourd'hui, que le Premier ministre avait promis que les réformes politiques seraient faites avant toute élection. Maintenant, si on s'engage, on enclenche encore un processus pendant que les réformes ne sont pas faites, ça veut dire qu'il y a dichotomie au niveau du fonctionnement du gouvernement. Mais cette consultation, le Premier ministre annonce quelque chose, le ministre de l'administration territoriale fait autre chose, on a besoin d'un recadrage. Ces consultations ne veulent pas dire non plus que les réformes ne se feront pas avant les locales. Est-ce que pour vous c'est automatique? Si le ministère de l'administration territoriale vous consulte, est-ce que cela veut dire qu'on va directement au local sans les réformes? Oui, mais alors pourquoi mettre la charrue avant les bœufs? Quand on vous dit, vous les journalistes, on nous appelle, nous les partis politiques, pour nous dire que les élections locales vont avoir lieu. Et qu'en réalité c'est la CENI qui va fixer les dates, mais au plus tard, le premier semestre ne va pas finir sur les élections locales. Alors que eux-mêmes ils disent que leur assemblée nommée est là-bas et que les réformes seront faites. Alors, pourquoi on met la charrue avant les bœufs? Vous voulez qu'on accepte qu'on mette la charrue avant les bœufs et que la situation n'est pas assainie et qu'on puisse aller à ces élections? Alors, quelle sera votre réaction si justement ces réformes ne sont pas faites avant qu'une date ne soit fixée pour les locales? Moi, je crois qu'une liaison malencontreuse et maladroite ne doit pas être faite. C'est ce pourquoi nous avons lutté longtemps dans la coalition. Alors, si vous vous souvenez, j'avais déjà dit sur un média frère, une média sœur, au lendemain des élections, ça devait être Victoire FM, non, Canal FM, que nous devons nous comporter au sein de l'opposition comme si toute échéance qui vient devant nous doit être une échéance pour organiser des victoires successives jusqu'à atteindre l'objectif que nous avons. Donc, en réalité, j'avais même dit sur une radio qu'il y a une formule célèbre en Allemagne qui dit « Nach der Wahl ist vor der Wahl ». Ça veut dire que le lendemain d'une élection est en même temps la veille d'une prochaine élection. Donc, les Togolais et nos militants, nos sympathisants et tout le peuple, les 85% du peuple qui ont réagi opposés à unir au moment du 20 décembre, doivent se préparer comme si les élections doivent avoir lieu demain. Donc doivent être prêts, si toute chose les surprend. Mais ça n'empêche que nous, politiques, on est obligés d'agir pour qu'on ait les conditions meilleures, pour qu'il y ait un consensus national pour organiser ces élections. Est-ce que ça veut dire clairement que vous ne liez pas participation aux élections à mise en œuvre des réformes? Ce serait une maladresse de le faire, parce que c'est comme si nous conditionnons les populations. Nous, les acteurs politiques, on doit savoir ce que nous devons faire. Mais nous devons laisser les populations dans les milieux, être dans les dispositions. Je dis souvent aux gens, et j'ai dit ça dans notre chemin passé, que le RPT hier, Unir aujourd'hui, qui fonctionne toujours avec le même système. Alors, quand moi je dis RPT Unir, ce n'est pas par insulte. C'est que c'est Unir qui fonctionne avec le système du RPT. Nous a toujours fait ceci que, même s'ils savent qu'ils vont lâcher quelque chose, ils maintiennent. Eux, ils préparent les élections. Et nous, souvent, on en fait un préalable et on ne prépare pas les élections. Et à la fin, ils lâchent les choses à la veille des élections. Nous ne nous sommes pas préparés pour les élections. Quand est-ce que vous l'avez compris? Quand avez-vous compris cette stratégie? Parce que visiblement, elle est utilisée depuis de nombreuses années. Oui, mais nous l'avons compris déjà en 2013. En 2013, nous étions dans la coalition arc-en-ciel. Si vous vous souvenez de l'histoire, s'ils ne tenaient pas à la coalition arc-en-ciel, en 2013, on aurait été forclos des élections. On n'aurait pas participé aux élections législatives de 2013 qui nous a permis de faire l'effort que nous avons fait dans la législative passée. Vous vous souvenez? Mm-hmm. Et c'est à cause de nous que d'autres se sont aussi
précipitée. Mais en même temps, dans les chemins que nous avons parcourus, nous l'avons toujours, nous avons continué à le dire. N'y a-t-il pas un paradoxe, justement, que vous disiez que ce sont les réformes qui déterminent un peu les conditions d'organisation, l'équité des voix, des électeurs, et en même temps dire que même si elles ne sont pas faites, vous devez vous préparer pour les élections? C'est ce paradoxe qu'on rejetait à un moment certain en disant pas de réforme, pas d'élection. Non, vous avez fait encore une lecture erronée de ce que j'ai dit. Alors, vous devez laisser la conscience des populations se préparer à être victorieux à tout événement qui doit venir. Même si les réformes ne sont pas faites. Non, vous ne devez pas les conditionner à dire « attendez d'abord ». Pendant que les candidats d'Unir sont prêts, pendant que Unir, c'est ceux qui vont être dans les bureaux de vote, etc. C'est une question de stratégie, alors. Vous ne pouvez pas les conditionner à dire, à poser des préalables et à dire ceci. Et au dernier moment, ils vont vous dire, mais nous, on ne s'est pas préparé. Pendant que le parti qui est en face, qui est minoritaire, en fait, dans le pays, lui, s'est préparé. Et à cause de ça, vous avez des difficultés. On ne peut pas préparer les populations à cet état psychologique-là. Donc, clairement, vous voulez avoir toutes les cartes en main et décider au moment venu, comme un peu le parti au pouvoir le fait, selon la description que vous venez de faire. Moi, je l'ai souvent dit dans nos réunions. En réalité, comme l'opposition a la majorité dans le pays, c'est nous qui devons jouer la musique et Unir doit danser le tango. Mais on se met aujourd'hui dans des conditions que Unir joue la musique et nous dansons le tango. Alors que le contraire pouvait bien être fait. Alors, avant de recueillir l'avis des auditeurs, à cette question, faut-il faire des réformes politiques un préalable aux élections locales? Que répondez-vous clairement? Reprenez la question. Faut-il faire des réformes politiques un préalable aux élections locales? Nous ne posons pas la question en termes de préalable. Vous savez que dans l'orientation politique, c'est pour ça que nous parlons d'orientation politique. Dans l'orientation politique des partis, nous, le CAR n'a pas cette formule de préalable. Parce que la doctrine du CAR s'oppose même à la notion du préalable. Nous, nous sommes pour la pression et le dialogue. C'est-à-dire que vous faites la pression. C'est vous, les politiques, qui devez savoir la pression arrivée à un certain niveau. Vous devez le fructifier. Faire la pression juste pour la pression, pour avoir le plaisir d'être dans la rue, etc., n'a pas de sens en politique. C'est vous qui devez savoir comment le fructifier. À partir de ce moment, vous ne pouvez pas pousser les populations dans des questions de préalable. Ça, on ne l'a jamais enseigné. Depuis 90, où nous étions les gens qui étions dans les rues, en train de mener le mouvement 90-91, si vous retournez, vous, en 90, lisez les événements, il y avait un truc de confiance entre le phare et nous, les populations, nous, les collectifs des mouvements étudiantins, tellement que, quand nous faisons les mouvements, quand le phare nous dit, aujourd'hui, arrêtez les mouvements, nous allons aux négociations. Il y a une confiance telle que nous ne rechignons pas. Aujourd'hui, les populations ont été tellement conditionnées à ce que lorsque vous leur dites « Ok, on va faire ceci, si vous ne savez pas faire, vous-même vous serez lynché parce que quelquefois nos propos travaillent l'esprit de la population contre le dialogue. » Alors que dans une nation, il n'y a que le dialogue qui arrive à résoudre les problèmes. Même si vous prenez des armes, vous ne vous asseyez pas autour de la table un jour, vous n'arriverez pas à régler. Ça dépend de la façon dont nous-mêmes nous avons conditionné les populations. Vous savez, les gens ont tellement conditionné les populations qu'il ne faut jamais serrer la main aux gens du pouvoir, que le moment où il faut aller rencontrer le pouvoir pour arracher les choses, ils ont peur que s'ils y vont, eux-mêmes qui ont conditionné les populations, est-ce que les populations ne vont pas dire qu'ils sont des traîtres? Comment est-ce qu'on fait de la politique comme ça? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, après l'épisode du 20 décembre 2018, faut-il faire des réformes politiques un préalable aux élections locales? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Kodjo depuis Tocoin, n'est-ce pas? Oui, c'est allez-y, ça. Allez-y, nous vous écoutons rapidement. Oui, pour répondre à votre question, je dirais oui, il faut faire les réformes avant les élections. Mais si les réformes ne sont pas faites, aussi, il ne faut pas boycotter. La solution est d'empêcher les élections. C'est ça que Tipi Atiadam et Abbas Pabwa voulaient faire à 2015. Mais ça n'avait pas marché. Oui. L'ANC l'avait compris qu'il ne faut pas boycotter les élections. C'est pourquoi ils se sont allés aux élections. Si vous vous souvenez, lorsque vous recevez Mme Brigitte Assiamagbo,
Je lui posais la question chaque fois. Il faut empêcher les élections. Il ne faut pas laisser organiser les élections. Mais je me vois dans l'obligation de vous demander comment. Monsieur Kodjo, comment empêcher les élections? Il faut demander à votre invité. Après les élections, Madame Dadede l'avait reçu dans son émission. Et c'est monsieur Kissi peut se souvenir. Il nous a rassuré que comment ça? Nous n'allons jamais laisser organiser les élections. Bien. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il faut nous dire la vérité. Lui-même, il dit qu'il faut dire la vérité. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé et qui ne soit pas arrivé pour empêcher le scrutin? Merci, monsieur Kodjo, d'avoir participé à ce débat. Monsieur Kissi vous répond dans quelques instants. Sur la page Facebook de Nana FM, Koudri à Blanville écrit que les élections locales ne doivent souffrir d'aucun boycott, quelle que soit la situation, et il exhorte la jeunesse à y accorder une attention particulière. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Vous vous appelez comment? Je suis César. César de Agouet? Tout à fait. Allez-y, nous vous écoutons rapidement. Écoutez, il faut dire merci à votre invité. Je voudrais d'ores et déjà lui dire qu'il accepte qu'ils sont défaitistes. Et ils le seront pour longtemps. César, cela ne répond pas à la question. À votre avis, faut-il faire des réformes politiques un préalable aux élections locales? C'est difficile. Je crois que cette question mérite d'être posée à l'opposition elle-même. Dès lors, donc vous n'avez pas de réponse à cette question. Non, si vous n'avez pas de réponse à la question, César, là, je suis dans l'obligation d'interrompre la discussion, mais merci quand même d'avoir voulu échanger avec nous. Ce serait intéressant de rester dans la droite ligne du sujet pour nous permettre d'avancer ensemble. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, faut-il faire des réformes politiques impréalables aux prochaines élections? Un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. On vous appelle comment? C'est M. Lawson, Casablanca. Comment allez-vous, M. Lawson? Ça va bien, et vous-même? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je salue votre invité. Oui, bonjour, M. Lawson. Et je voudrais l'exhorter à travers lui, je voudrais exhorter son parti avec Nathan Guibo, dont j'apprécie la sagesse, pour qu'il n'offre pas ce visage au peuple togolais, par respect à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie dans ce combat. Merci. Alors, merci. Par rapport à la question, M. Lawson. Oui. Oui, faut-il faire des réformes préalables aux élections locales? Absolument, cela s'impose. On ne met pas la charrue avant le bœuf. Cette histoire de réforme, ça date depuis quand? Et sans réforme, si le pouvoir pense que le boulevard lui est ouvert pour nous engager encore dans, je ne sais pas comment en arriver, c'est pas sérieux. Mais si les réformes ne sont pas faites, vous seriez pour un boycott ou pour une participation non, de l'opposition? Non, je n'appelle pas boycott parce que ce qui s'était passé la fois dernière... Le 20 décembre, vous voulez dire? Des élections législatives, c'est un abus de langage. Lorsque vous empêchez quelqu'un de ne pas aller aux élections, on n'appelle pas ça boycott. Vous savez, ils ont été exclus. Donc, ils pensent que le boulevard est tout tracé. Ils voulaient se lancer dans le même plan pour organiser les locales et nommer encore les choses-là, comme on oui, appelle mais, les mais, conseils à, municipaux. Alors, si on enlève le terme boycott, si les réformes ne sont pas faites avant les locales, est-ce qu'on conduit le pays à la dérive. Oui, sur ça, presque tout le monde est d'accord. L'opposition le dit, même le parti au pouvoir dit qu'il fera très vite les réformes. Mais si elles ne sont pas faites comme on y a été habitué, quelle réaction devrait avoir l'opposition à votre avis? Est-ce qu'elle va aux élections ou pas? On ira aux élections avec les réformes. Bien. Ça, je le dis. Merci. C'est pas correct, ça. Merci, M. Lawson, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors, on a eu Kodjo de Plutôt-Coin qui dit que oui, il faut en faire un préalable, mais si les réformes ne sont pas faites, il faut aller aux élections. Il voudrait que vous lui expliquiez ce qui s'est passé. Comment n'avez-vous pas pu réussir à empêcher l'élection du 20 décembre? Il pose la question. Non, la question qu'il a posée, c'est que s'est-il passé? Alors, vous, si vous le suivez bien, je ne sais pas si... Il n'a pas dit que... Il dit qu'il m'a écouté sur Canal FM. Dire mais que il, non, il n'a pas dit que moi j'ai dit. Il a dit, on avait dit, mais il a dit que nous avons dit, on va tout faire pour que ces élections n'aient pas lieu.
Donc, je crois que celui qui a parlé, Kodjo, il est lucide. Il sait qui a dit quoi. Jamais dans mes interviews où j'ai fait avant les élections, je n'ai pas utilisé le terme « empêché ». C'est vrai que nous avons tout mis en œuvre pour que ces élections n'aient pas lieu dans ces conditions-là, qu'elles aient lieu dans nos conditions, notamment ou bien dans les conditions normales, telles que la feuille de route l'a définie, notamment avec ce que nous avions fait à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 22 octobre à l'Assemblée nationale, lorsque une dispute s'est déclarée entre les députés d'Unir et nous, avec le président Dramani, et on avait failli même venir aux mains. C'était une façon de montrer que le peuple a fait beaucoup de sacrifices. Des gens sont morts. Il ne faut plus laisser Unir nous imposer, faire la politique de la chaise vide. C'est-à-dire qu'en fait, si nous disons ils ne veulent pas procéder, ok, on ramasse nos affaires, on s'en va, on reste là et on dit que ça ne doit pas avoir lieu. Maintenant, l'auditeur a posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi-même, je me pose la question. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit on ne peut pas continuer comme on faisait avant. Parce que vous le vouliez ou non, ce n'est pas nous qui avons l'idée de la coalition. À partir de ce moment, est-ce qu'il y a des problèmes? Pourquoi la CDAO a fait comme ça? Lorsque cette affaire s'est passée le 22 octobre à l'Assemblée nationale, comme c'est moi qui étais au devant des événements, j'ai été appelé dans un certain nombre de milieux pour expliquer ce qui s'est passé. Et finalement, on a eu le résultat où on a eu le 8e siège. Mais moi aussi, j'ai profité de cette consultation que les gens ont faite avec moi pour poser des questions, pour savoir qu'est-ce qui nous est réservé. J'étais même allé jusqu'à dire, si on ne règle pas ce problème avant l'élection présidentielle au Nigeria, et qu'il y avait la crainte que Atiku Abubakar pouvait venir, est-ce que lui, il pouvait maîtriser le problème togolais? Est-ce qu'il ne serait pas plus proche du pouvoir d'ici? Les milieux que j'ai traversés m'ont dit non. Atiku Abubakar, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Il a des biens immobiliers que je ne peux pas imaginer, que personne ne peut l'acheter. Donc, nous croyons que, quel que soit celui qui devait arriver au Nigeria, qui devait présider la CDAO, que en fait le problème togolais serait réglé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, vous ne l'avez toujours pas découvert? Non. 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 Est-ce que des présidents de la CDAO, dans les contacts des facilitateurs, avec un certain nombre de personnes, ils ont pu nous dire des choses que nous n'avons pas faites. Pourquoi se sont-ils comportés comme ça? Est-ce que nous-mêmes, notre orientation politique a permis? Nous nous posons un certain nombre de questions. Les populations se posent des questions. La diaspora se pose des questions. Certains, j'ai dit tout à l'heure, Apedo Amad dans son document, s'est posé des questions. Certains ont estimé que la coalition a été à un moment donné un peu trop intransigeante et cela a conduit au résultat auquel tout le monde a assisté. C'est ça la question du changement d'orientation politique. Vous savez, c'est tout ça que nous devons analyser. Parce que des gens sont morts. Moi, ce qui m'est resté le plus dans la gorge, parce qu'en cette période-là, c'est nous qui avons piloté, disons, les mouvements de rue, c'est cet enfant de 12 ans qui est décédé à Toblekopé. Ça m'est resté dans la gorge. Et tout ça pour arriver à ce résultat du 20 décembre. Et je me pose des questions. Et quand je retourne en arrière, je prends un événement comme... Vous vous souvenez la date où on était à Décon? Alors, les journalistes nous avaient demandé... Le pouvoir était à genoux pour qu'on se retrouve pour parler des réformes. Mais en ce moment-là, il avait été dit... Non, que maintenant il est trop tard. Que nous ne négocierons que le départ de Fort. Et en ce moment-là, tout le monde était assis par terre. Moi-même, j'étais assis par terre. Mais je me demandais ce jour-là, mais est-ce qu'on peut s'asseoir par terre et puis Ford va partir? Mais c'est-à-dire qu'il y a je ne sais pas, c'est-à-dire que le mot qu'il faut pour qualifier ce dont nous avons besoin va au-delà de bilan. Je ne trouve pas encore mais le mot. Est-ce que, je crois que c'est César qui posait la question, est-ce que vous assumez aujourd'hui ce résultat, puisqu'après tout vous y étiez aujourd'hui, vous y étiez aussi, est-ce que vous assumez ce bilan, ce résultat auquel vous êtes parvenu? La seule façon d'assumer, quelle est la meilleure façon d'assumer un résultat? La seule façon d'assumer un résultat, c'est de faire le bilan et de changer. C'est la seule façon. Si vous ne le faites pas et vous ne changez pas, il ne suffit pas d'aller dire « nous assumons ». Il faut pouvoir
voir les choses, pouvoir tirer les conséquences de ce qui s'est passé réellement. Pouvoir dire la vérité au peuple, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que le peuple a besoin de savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Lawson dit que on ira aux élections, je le cite, on ira aux élections avec les réformes. Est-ce que vous en êtes convaincu aussi ? Oui, mais naturellement. Moi j'ai apprécié monsieur Lawson parce que, vous savez, vous avez voulu l'amener à dire si on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Je l'ai trouvé vraiment très... En tout cas, lui, là, il doit être un grand communicateur. S'il pouvait venir prendre notre carte, là, il pouvait rentrer dans notre équipe de communication. Alors, il a tout fait pour vous dire ce qu'il pensait. C'est qu'il faut que ces élections aient lieu avec les réformes. Que les réformes aient lieu avant ces élections. Ça rassure tout le monde. Ce n'est pas une question du quart. Ce n'est pas à l'avantage du quart ni à l'avantage de l'opposition. Je crois même, en réalité, que cette posture est plus à l'avantage du pouvoir qu'à l'avantage de l'opposition, sincèrement. Justin Elie écrit qu'il faut des réformes politiques, il faut faire des réformes politiques impréalables aux élections locales, au moins revoir le fichier électoral, le découpage électoral. Il veut qu'on sécurise son vote. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais il a totalement raison. Et c'est là, c'est là la fin de notre communiqué. Parce que tout ce que nous avons dit là, nous avons rencontré le ministre de l'administration territoriale, mais je ne sais pas si vous avez marqué un arrêt sur le dernier paragraphe, le septième de notre texte, où nous avons dit « C'est pourquoi le comité d'action pour le renouveau CAR lance un appel vibrant au président de la République de bien vouloir, en tant que répondant de la qualité de la gouvernance électorale, politique et socio-économique du pays, faire sur soi à l'enclenchement de l'organisation des élections locales jusqu'à ce qu'il soit procédé à la réalisation des réformes en attente et à la mise à jour du fichier électoral. Ces deux éléments sont essentiels pour assainir la situation. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avons lancé un appel au chef de l'État parce que la CEDEAO était censée régler le problème. La CEDEAO ne l'a pas réglé. Si après la CEDEAO, le 25 janvier, le Premier ministre Klassou, en présentant le programme du gouvernement orienté par le président Faure, l'a dit, c'est parce qu'eux-mêmes sont conscients, sont d'accord avec nous que le consensus auquel nous pensions n'a pas pu être réalisé par la CEDEAO. Il faut donc que le ministre de l'administration territoriale, faisant quelque chose qui est opposé à ce que le gouvernement a annoncé dans son programme, que le président de la République reprenne le recadrage et remette les choses au centre pour assainir la situation avant qu'on aille aux élections. Une dernière réaction sur la page Facebook de Nana FM et votre mot de la fin. Agbo Komi, il dit, il se demande si le sort des Togolais est simplement d'aller voter et qu'il n'y ait jamais d'institution forte pour leur garantir la sécurité de leur vote, la répartition équitable des ressources et autres. Merci, merci. Je crois que vous dites que j'aurai un mot de fin, je n'en aurai pas. Si vous pouvez réciter ce que Agbo dit là, c'est ça mon mot de fin. En réalité, c'est cela mon mot de fin. Parce qu'une démocratie a besoin des institutions fortes et indépendantes. Et en même temps, ces institutions fortes et indépendantes découlent sur la bonne gouvernance. Parce qu'en parlant d'institutions fortes, nous ne pensons pas seulement aux institutions d'organisation des élections. Parce que les élections ne sont pas seules la solution au problème togolais. Elles ne sont qu'un maillon là-dedans. Les institutions fortes, quand nous le demandons, c'est aussi le Conseil supérieur de la magistrature qui doit régler tous les problèmes juridiques. C'est aussi... Vous avez dit que vous n'auriez pas de mot de fin. C'est aussi la Cour des comptes. Non, je répète un peu ce qu'Agbo a dit. Les éléments dont il a parlé. Est mon mot de fin. C'est aussi la Cour des comptes qui permet la bonne gouvernance dans ce pays. Vous avez parlé ce matin d'une taxe qu'on met encore sur les véhicules. La taxe sur les véhicules à moteur. Comment les Togolais peuvent avoir le bon cœur dans cette misère de payer cette taxe-là, si on met 26 milliards pour la route Lomé-Vogan en foin et qu'on bouffe cet argent-là? Comment voulez-vous que les situations, les populations puissent croire à une éventuelle nouvelle formule de PND lorsque on met de l'argent pour faire les routes, on met de l'argent pour faire des forages, etc., et que cet argent est bouffé par des gens qui continuent à circuler? Alors, c'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que nous avons besoin des institutions fortes. Parlant d'institutions, serez-vous à la prochaine CENI pour les locales? Ah, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, puisque ce n'est pas moi qui compose la CENI. Avez-vous l'intention de répondre à l'appel à candidature? Nous avions discuté de ces questions la dernière fois, en 30 secondes, avec le ministre de l'administration territoriale, en lui disant que c'est après la feuille de route de la CEDEAO que la nouvelle CENI était mise en place, que nous avons été élus et que eux ils ont maintenu leurs membres.
qu'en réalité, les tests disent que la CENI a droit à un an. Donc, il n'y a rien dans le test qui dit que lorsque le rapport est poursuivi et que les un an ne sont pas finis, que la CENI est mis fin. Donc, ça veut dire que cette CENI-là ne peut pas finir avant octobre de cette année. Ce qu'ils font, c'est un coup de force. Mais il nous a répondu que nous n'avons jamais prêté serment, donc que nous sommes fort clos. Et c'est ce qu'il nous a répondu. Est-ce que vous répondrez à l'appel à candidature? Mais les réformes sont-elles faites? On aura le temps d'y revenir. Merci Jean Kissi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CAR, le comité d'action pour le renouveau. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par internet. Antoine Tété-Omeni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.